Bonjour, je m'appelle Carole Morancy et je suis la fondatrice de Yoga Too. C'est avec grand plaisir que je vais vous guider tout au long de cette capsule de yoga musical en compagnie des musiciens de l'Orchestre symphonique de Laval. Nous vous invitons à vous laisser aller et à bien profiter de ce moment unique. Je vous encourage à prendre un bloc ou un coussin et à venir vous asseoir. En Sukhasana, posture détendue. La colonne vertébrale est longue, les épaules légèrement vers l'arrière. Fermez les yeux et laissez votre bassin devenir très lourd sur le sol. À l'expiration, laissez aller ce que vous avez fait aujourd'hui et ce que vous ferez plus tard. Et poursuivons avec la respiration yogique. Placez la main gauche sur l'abdomen, la main droite sur la poitrine. En expirant, videz complètement l'air des poumons jusqu'à ce que l'abdomen rentre. Les mains vont vous servir de guide pour sentir le déplacement du souffle dans votre corps. En inspirant, laissez l'abdomen se gonfler, la cage thoracique, la poitrine. En expirant, videz l'abdomen, videz la cage thoracique, videz la poitrine. Et on inspire en 1, en 2, en 3, en 4. Et on expire en 4, en 3, en 2, en 1. Inspirez en 1. Om 2, Om 3, Om 4. Expirez, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expirez, Om 4, Om 3, Om 2, Om 1. Inspirez, énergie. Vitalité, lumière, expirez, stress, fatigue, tension. Et on inspire en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Expire en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. N'hésitez pas à fermer les yeux. Inspirez, la colonne vertébrale est longue. Expirez, la colonne vertébrale reste longue. Et deux autres cycles, chacun à son rythme. Quand vous avez terminé, relâchez les mains, paume vers le ciel, pouce index se joignent, Chin Mudra. Et ouvrez les yeux. Vous pouvez allonger les jambes, les détendre un peu, faire des rotations de cheville dans l'autre sens et reprenez votre posture assise. Placez la main gauche au sol, au bout des doigts. Inspirez,
Le bras droit s'allonge, étirez tout le côté droit en pressant la fesse droite dans le sol ou sur votre bloc. Grande respiration, longue, profonde. Laissez la musique vous inspirer. Prochaine inspiration, ramenez le bras gauche vers le ciel et étirez les deux côtés de la taille allongés. Expirez la main gauche au sol. Poussez la fesse gauche dans le sol, dans le bloc, et étirez tout le côté gauche. Le souffle est lent, profond. On sent un bon étirement de la hanche gauche jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez au centre, étirez les bras vers le ciel. Expirez. Vous pouvez laisser votre bloc, votre accessoire de côté. On se retrouve à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les orteils bien recroquevillés pour sentir l'étirement. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, dos rond. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, dos rond. Profitez-en pour sentir l'étirement de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez, cambrez le dos. Expirez, dos rond. Puis, poussez dans les mains, poussez dans les pieds en gardant les genoux fléchis. Essayez de ramener les côtes près des cuisses. Bien allongez le dos, repoussez le tapis avec les mains, respirez. Puis, marchez les mains vers vous, talons au sol. Venez chercher les coudes opposés. Et laissez-vous pendre. Laissez tout le corps pendre. Respirez tout le long de la colonne vertébrale. Relâchez les mains et déroulez lentement avec les genoux fléchis. La tête sera la dernière partie à se relever. Déroulez les épaules vers l'arrière. Respirez. Marchez à l'avant de votre tapis avec conscience. Les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol. Pensez à enraciner la base des gros orteils, la base des petits orteils, l'intérieur et l'extérieur des talons. Une assise ferme. Puis on va poursuivre avec des demi-salutations au soleil. Les pieds s'enracinent dans le sol, tandis que les bras s'allongent vers le ciel. À l'expire, penchez à partir des hanches. Les mains au sol ou sur les tibias, on inspire, on allonge. Expirez, plongez. Présence dans les pieds, poussez dans ceux-ci, inspirez jusqu'en haut. Étirez bien le corps, expirez. Dans cette capsule, on veut vraiment être sensuel dans nos mouvements. Inspirez, expirez vers le bas. Inspirez, dos plat. Expirez, penchez. Poussez dans les pieds. Inspirez. Étirez de l'intérieur vers l'extérieur. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez. Expirez. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez.
poussez dans vos racines. Inspirez à partir des hanches, remontez. Expirez les mains au cœur. Et comme une danse, on inspire, on allonge vers le ciel. Expire, on penche. Inspirez dos plat. Expirez, allez au bout de l'expire. Poussez dans les pieds, inspirez, ouvrez jusqu'en haut. Expirez, ramenez les mains au cœur. Encore une fois, inspirez, étirez. Expirez jusqu'en bas. Inspirez, dos plat. Expirez, peut-être un peu plus loin maintenant. Poussez dans les pieds, inspirez jusqu'en haut, regardez entre les mains. Expirez et relâchez. Fermez les yeux, rendez votre souffle calme, lent, que l'inspire et l'expire soient de la même durée. Et on reprend la posture de la montagne, les pieds bien enracinés, pliez les genoux, poussez dans les pieds, dépliez, engagez les muscles des cuisses, l'extérieur des genoux, rentrez le coccyx, montez le pelvis vers le ciel. Inspirez, allongez les bras. Les pieds poussent dans le sol, les bras s'allongent, les deux côtés de la taille s'allongent. Le regard est droit devant vous, le drishti. Et ressentez l'étirement tout le long du corps. Ressentez la force. Respirez. Encore quelques respirations. Expirez. Ramenez les mains au cœur. Relâchez un peu. Faites bouger un peu les jambes. Inspirez. On va aller vers une pince debout. On allonge nos bras encore une fois. Et en fléchissant à partir des hanches, en s'étirant le plus loin possible. On essaie d'avoir un dos parallèle au sol. Les bras s'allongent. Alors, on est beaucoup dans l'allongement, l'étirement jusqu'au bout des doigts. On essaie de déplacer le poids sur la base des gros orteils. On respire. En poussant dans les pieds, inspirez, redressez. À nouveau, allongez-vous. Expirez. La nuque est dans le prolongement de la colonne et vous respirez tout le long de la colonne. Prochaine expiration, ramenez les mains vers le sol. Dessus du crâne vers le sol. Vous pouvez venir chercher l'arrière des talons, l'arrière des mollets, les gros orteils. Et si c'est le cas, vous laissez les coudes s'ouvrir vers l'extérieur. Vous gardez la nuque, la nuque dégagée et vous respirez. Tout le long de la colonne vertébrale. Le souffle est lent. Encore quelques respirations.
Rappelez-vous que vous pouvez toujours mettre moins d'intensité dans votre posture en pliant un peu les genoux. Relâchez les mains. Pouce dans les aines, étirez le dessus de la tête vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, séparez les pieds. Respirez profondément. Et on revient. En posture de la montagne, les gros orteils se touchent. Ramenez les mains au cœur. Inspirez vers le ciel. Entrelacez les doigts sauf les index. Assurez-vous de ne pas laisser les côtes sortir. Inspirez vers le ciel. Expirez, penchez vers la gauche. Respirez profondément. Le pied droit pousse dans le sol. Et encore une fois, vous ressentez l'étirement de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. Tout le corps s'allonge. Pressez dans les deux pieds, inspirez, remontez. Étirez-vous vers le ciel, étirez les deux côtés de la taille. La nuque est dégagée. Prochaine expiration, on penche vers la droite. Poussez dans le pied gauche, étirez tout le côté gauche. Respirez. Pensez votre mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et on inspire, on se redresse. Et expirez, relâchez. Prenez quelques respirations, calme, tranquille. Et avec présence, on va marcher vers l'arrière du tapis. Retrouvez votre équilibre dans les deux parties de votre corps. Respirez. Bien concentré, on va marcher le pied droit vers l'avant. Transférez tout le poids dans ce pied. Base du gros orteil bien ancré, base du petit orteil. Intérieur, extérieur du talon. Pensez à tout l'allongement qu'on a fait depuis le début de la séance et ramenez votre pied gauche. Ramenez les mains en demi-prière, si c'est possible. Et on respire. C'est possible que ça bouge un peu. Vous faites-vous-en pas. Et on respire. Vous voyez, des fois, ça bouge. Et on respire. Tout le corps ramené vers le centre. Et doucement, on ramène le pied gauche au sol. On relâche, on respire. L'équilibre est quelque chose qui change au quotidien. Alors, on essaie de se pratiquer du mieux qu'on peut. Grande inspiration. Marchez sur le pied gauche. Transférez le poids. Quand vous vous sentez stable, ramenez le pied droit, les mains en demi-prière. Calme, tranquille. Amen. Alors, il y a des jours où ça tremble, il y a des jours où c'est stable. Toutes sortes de choses viennent faire fluctuer l'équilibre. Alors, c'est une quête constante. Constante, balancez-vous tout doucement. Balancez-vous.
Laissez la musique guider votre mouvement. Et tout doucement, on revient au centre. Prenez une grande inspiration. Expirez, ramenez les mains au cœur. Allongez les bras vers l'avant. Pliez les genoux. Utkatasana, posture de force. Et on va en profiter pour descendre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et on va se retrouver au sol. Si vous avez un bloc, placez-le à côté de vous. Les pieds sont parallèles. On ramène le bassin vers les talons et on vient se coucher sur le dos. Les bras le long du corps. La nuque est longue. En inspirant, poussez dans les pieds, soulevez le bassin, soulevez les hanches. Poussez dans les mains. Expirez, ramenez au sol. Inspirez, poussez le bassin vers le ciel. Expirez au sol. Ajustez votre dos, pressez dans les mains, poussez les hanches vers le ciel, inspirez. Expirez. Si vous avez un bloc, venez le placer sous le sacrum, soulevez un peu les épaules, laissez les bras s'ouvrir et laissez-vous aller. Il y a tout de même une action des genoux vers l'avant du tapis. Le souffle est calme, tranquille. Et à votre prochaine inspiration, poussez dans les pieds, soulevez le bassin, retirez le bloc. Et vous allez vous allonger, une jambe à la fois au sol, ouvrir les bras à 45 degrés et laissez-vous vous déposer ici. Doucement, on va aller vers la relaxation, vers la détente. Laissez votre corps devenir très, très lourd. Les yeux se ferment. Le corps est complètement abandonné. À chaque expiration, il y a une spirale de détente qui entre en action. C'est dans la détente que le yoga s'intègre, que toutes les postures que nous avons pratiquées se déposent. Vous
Vous dirigez l'attention à vos pieds et mentalement, vous vous dites, je détends les pieds, mes pieds se détendent. Je détends les chevilles, je détends les mollets et mes chevilles et mes mollets se détendent. Je détends les genoux, je détends les cuisses. Et mes genoux et mes cuisses se détendent. Je détends les hanches, je détends le bassin, et les hanches et le bassin se détendent. Je détends le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et tout le dos se détend. Je détends l'abdomen, la cage thoracique et la poitrine. Et tout le devant du corps se détend. Je détends les épaules. Et les épaules deviennent larges, ouvertes, détendues. Comme si tout le poids des engagements, des soucis coulait des épaules jusque dans le sol. Les bras se détendent, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts, relax, relax. La nuque se détend, la gorge, tranquille, calme. Et tous les mots retenus, tous les non-dits, s'évanouissent. Le cuir chevelu se détend. Toutes les petites tensions se dissolvent. Le visage devient calme. Les joues relaxent, les tempes deviennent larges et les yeux s'enfoncent dans leurs orbites. L'espace entre les sourcils se détend, le front lisse, lisse, et vous glissez profondément à l'intérieur. Et vous vous sentez bien. Et l'esprit est comme un grand ciel bleu, infini. Et si des pensées vous venaient, vous les laisseriez glisser comme des petits nuages blancs sans importance. Puis tout doucement, en conservant cet espace intérieur, commencez à respirer plus profondément. Bougez les orteils, bougez les doigts. Inspirez, étirez-vous comme après une bonne nuit de sommeil.
Étirez, étirez. Et ramenez les mains vers le cœur. Et joignons-nous en un om, inspirez. Puis cette pratique nous amener de la paix, de la détente et du mieux-être. Namasté.